Un héros est une personne qui commet un acte désintéressé. Mais quand tous vos actes, quand toute votre vie vous pousse à devenir un héros, quoi qu'il en coûte, comment faire si l'image que vous renvoyez ne correspond plus au modèle établi? Entreprise 01, prêt pour le bon spatial. Cap Canaveral, terminé. Cap Canaveral à Entreprise 01, bien reçu. Bonne route pour ce premier tour du système solaire. Vous êtes sûr que vous avez les capteurs suffisants pour les performances que je vais envoyer? On est prêt, Enterprise 01. C'est ce qu'on va voir. J'enclenche les moteurs. Vous pouvez mettre les bouteilles de champagne au frais. Compte à vous renvoyer. Je vous rappelle qu'en vitesse supraluminique, nous perdrons le contact dans 10 secondes après le bon spatial. Alors de la part de tous, bonne chance. 10 secondes sans vous? Waouh, bien mieux qu'à l'entraînement. Vous pouvez préparer une station spatiale à mon nom. J'enclenche le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Cap? Cap, vous m'entendez? Si je suis en vie, c'est que... Cap, on a... J'ai un problème. Ordinateur, ça fait combien de temps qu'on est là? 6 heures et 52 minutes. Relance un diagnostic de l'atmosphère, s'il te plaît. Pour la 17e fois, les analyses sont formelles. L'espace présent est vide et ne contient aucune atmosphère. Mais alors, comment ça se fait que je respire? Vos signaux vitaux n'indiquent plus aucune activité. Quoi? Mais... Hey! C'est comme ça que vous traitez les dames en Amérique? Ça va, j'avais pas vu que c'était une dame le russe. Oh. Vous êtes qui, vous? Russe. Américain. Ordinateur, fouille dans la base de données. Buzz Aldrin et Yuri Gagarin. Je vous ai posé une question, madame. Vous êtes qui? C'est vous qui nous avez amenés ici? Quoi? Du calme, cow-boy. Elle a l'air aussi perdue. Mademoiselle, depuis combien de temps vous êtes là? 7h15. À peu près comme nous. Mais ça prouve rien, c'est sûrement un piège. En quelle année pensez-vous que nous sommes? 2029, pourquoi? Tu vois, elle est aussi comme nous, perdue et pas à son époque. Vous êtes vraiment Yuri Gagarin et Buzz Aldrin? Le premier à avoir fait le tour du globe dans l'espace et l'un des premiers à avoir marché sur la Lune? Vous parlez comme si ma mission était terminée, je venais juste de décoller là. Vous, Yuri, vous pensez être le 12 avril 1961. Et vous, Buzz, le 21 juillet 1969. Et comment vous le savez, ma petite dame? J'étais également comme vous, la première humaine à faire le tour du système solaire. Et puis, il y a eu les 10 secondes... De blackout! Vous aussi? 10 secondes durant lesquelles les communications sont coupées. Je me souviens de plus rien après. Vous, Yuri? Les 10 secondes? Niet, niet. La technologie soviétique ne souffre pas de ses faiblesses. Ça va, le soviet, arrêtez de faire le malin. Dites-nous la vérité. J'avais coupé les communications avant de me réveiller ici avec vous. Donc me voilà... Ici, au milieu du néant, avec deux anciennes gloires. Comment ça, ancienne gloire? Messieurs, vous avez tous deux réussi vos missions. Sans quoi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Maintenant, il me reste à déterminer si vous êtes le fruit de mon subconscient ou si mon moteur supraluminique a causé plus de dégâts que ce que j'avais calculé à l'espace-temps. Vous aussi, vous l'entendez? Elle nous poursuit depuis le début. Ordinateur, analyse de la voix. Voix humaine, concordance avec la base de données, correspondance établie. Ordinateur, identification. Voix de Florence Tereskova. Ma voix?
Ordinateur, reconfirme mon identification. Je reconnais pas ma voix. Mais évidemment que c'est votre voix. Tout semble clair maintenant. Mais pourquoi nous demander de dire qu'on a vu les étoiles? Y a rien ici. En tout cas, la voix, on l'entend de plus en plus depuis que vous êtes là. Correspondance à 60%. Et pourquoi il en manque 40? Les fréquences sont très similaires, mais elles semblent subir une distorsion temporelle importante. Se peut-il qu'il y ait eu un problème avec le voyage supraluminique et que mon moteur en soit la cause? Vous avez dépassé la vitesse de la lumière? L'enjeu de ma mission était de faire le tour du système solaire à la vitesse lumière. Donc vous avez déchiré le continuum espace-temps? Non, parce que j'allais pas encore assez vite. La seule chose dont je me rappelle, c'est que... les étoiles semblaient trop... trop... Parfaites. Ouais. Comme dans les exercices de simulation. Tout se passait comme prévu. Mais alors, par quel hasard, trois astronautes se retrouvent ici, au milieu de rien? Le hasard ne prévoit pas les choses. Lequel de vos gouvernements capitalistes nous a fait enlever? Pas le mien, en tout cas. Réfléchissez un petit peu, Yuri. Avec le réservoir de vodka qui vous sert de crâne. Si la mise connaît notre avenir, c'est qu'on a accompli quelque chose. Ce que vous tentez de dire, c'est que c'est pas un hasard si on est là. Elle est responsable, c'est un piège! Hé! Je vous rappelle que je suis la seule à pas connaître mon avenir. Dites que vous avez vu les étoiles. Cette voix, là! À chaque fois qu'on tente de résoudre ce problème sans fond, elle intervient. Comme pour nous narguer. Et cette voix, là, c'est la vôtre! Moi, j'ai plutôt l'impression que... je sais pas, elle m'a aidé à vous trouver. Et elle est intervenue quand on a parlé des blackouts. Donc c'est qu'elle nous encourage dans notre raisonnement. Continuons à parler, à réfléchir sur la ligne temporelle. Ok, donc si je résume, nous sommes tous les trois sortis de nos lignes temporelles respectives, mais ni la mienne ni celle de Buzz n'ont été altérées, puisque vous êtes là, que vous nous connaissez et que votre programme spatial découle de nos succès. Votre super calculateur, là, vous indique rien? Aucune mesure physique? On est où, là? Dans le néant? Peut-être qu'il marche pas. Niet, partez pas du principe que votre outil dysfonctionne, il a subi des milliers de tests terribles avant d'être validé. Non, si c'est pas l'outil, c'est peut-être ce qu'on lui demande d'observer qui ne va pas. Ah oui? Et quoi? Mais ça, cet environnement, cette réalité. Les lois de la physique sont peut-être différentes ici. Il a pu entendre la voix, donc c'est pas une hallucination. Il a analysé aussi, il a enregistré, il me semble, non? Oui, pour faire le comparatif. Dites que vous avez vu les étoiles. Ok, on est sur la bonne voie. Bon, ordinateur, analyse contenu du fichier audio. Impossible d'enregistrer le fichier car il est déjà dans notre bateau. Tu es sûr? Ouvre-le. Accès refusé, mot de passe vocal incorrect. Donne-moi la date d'entrée du fichier et des détails supplémentaires, s'il te plaît. Attendez, c'est pas la date de création du fichier, ça, c'est ma date de naissance. Donc ça confirme que si c'est votre voix et votre date de naissance, c'est à cause de vous, de votre volonté qu'on est ici. Niet, la question c'est, quel est le rapport entre vous et nous? On va vite le savoir. Ordinateur, émet sur la fréquence 270698 Hz. Comment vous avez su ce qu'il fallait faire? Si c'est ma voix, c'est que tout doit s'activer par le son. L'écran, là, c'est le même que le vôtre. Sainte Mère Patrie, quelle est cette technologie? Une sphère de Dyson. J'en avais déjà entendu parler, mais c'était qu'une théorie. C'est une sphère d'énergie infinie construite pour contenir un monde autour d'un soleil. Mais attendez... wow... là, il y a Mars, Neptune, Jupiter... Attendez, ça c'est notre système solaire, ça. C'est pas normal, c'est pas censé marcher comme ça. Comment vous savez tout ça? J'ai travaillé sur un projet similaire il y a quelques années. Sur la problématique énergétique, et la sphère de Dyson semblait une solution prometteuse. Des intuitions, des travaux préparatoires, tout semble tourner autour de vous. En tout cas, je peux le dire maintenant. Je peux dire que j'ai vu les étoiles. Mot de passe vocal correct. Ouverture du fichier. Qu'est-ce que c'est? Je vous l'avais dit qu'elle était dans le coup! Bonjour Florence. Bonjour Yuri. Bonjour Buzz. Il nous reste peu de temps. Ceux qui vous ont enlevé pour vous emmener ici ne vous demandent qu'une seule chose. Dites que vous avez vu les étoiles. Pourquoi on dirait ça? Parce que toutes les étoiles ont disparu progressivement de l'univers et ils ne savent pas pourquoi. Yuri sera le premier à comprendre que quelque chose n'allait pas. Il constatera qu'entre ses relevés et nos calculs, une vérité nous échappait et que l'univers ne répondait pas à nos prévisions. Les conséquences
d'une telle découverte serait démesurée. Mais si c'était vrai, mon gouvernement m'aurait demandé de ne pas faire mention de l'affaire. Oui, c'est ce qui se passera. Yuri et Buzz ne diront jamais rien. Et plus tard, le programme Apollo ainsi que tous les autres programmes de recherche spatiale feront de même. Suite aux incohérences entre nos prévisions et l'analyse des rapports, il en résultera la certitude que les étoiles se sont éteintes et que notre Soleil fera bientôt de même. Il en dépendra du sort de notre planète que de garder ce secret. Et moi ? Je refuse de mentir aux miens. Ça me ressemble pas, c'est pas... C'est ce que ferait n'importe quel héros. Toi, Florence, tu n'as pas pu te résoudre à mentir. Lors de ton premier voyage, tu as compris. Et ta révélation a plongé notre monde dans un chaos total qui a failli l'entraîner à sa perte. Les hommes ont arrêté de se tourner vers le futur et ont renoncé à chercher des solutions. Mais alors que l'humanité s'effondrait, tu as laissé une idée qui leur est parvenue malgré tout dans le futur. Cette sphère que ceux qui vous ont amené ici ont pu construire. Mais ils auraient dû la construire plus tôt. Beaucoup plus tôt. Nous avons perdu du temps. Un temps extrêmement précieux dans la compréhension de la disparition des étoiles et de ce qui menace notre Soleil. Comment être sûr de ces constructeurs ? Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance ? Peu importe. Un humain du futur ou force supérieure, quelqu'un d'assez puissant pour créer de l'espoir ne peut être que bienveillant. Non, si Buzz et moi jouons le jeu, c'est une chose. Mais si Florence refuse, ça remet tout en cause. Ceux qui ont entamé mon projet de construction de sphères dans le futur ont compris que la solution se trouvait à vos époques. Mais là où j'avais pensé à une mégastructure qui devait sauver notre Soleil de sa disparition, eux, en la ramenant dans le passé, ont pensé que l'espoir serait une bien meilleure idée. Voilà pourquoi ils vous ont réunis ici. On vous demande un pieux mensonge pour garder l'illusion et préserver tout le reste de l'humanité, qui un jour devra lever la tête pour regarder les dernières étoiles. S'il vous plaît, dites que vous avez vu les étoiles. J'ai vu les étoiles. J'ai vu les étoiles. Flo ? Non. Non, mentir n'est pas une solution. Écoutez, vous êtes des héros. Vous êtes mes héros. Vous devriez pas faire ça. D'accord ? Moi aussi, je veux devenir un héros. Et c'est pas la bonne façon d'agir, c'est pas la bonne solution. On n'attend pas que les héros soient des modèles de vertu. C'est impossible. Nous sommes faibles humains. Certains sont même russes. Mais un héros, c'est le gars qui sait se sacrifier pour les autres. Sans rien attendre en retour. Ni pour lui, ni même pour sa dignité. Florence, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui ? J'ai vu les étoiles. Ordinateur, on est où ? Quand ? Nous sommes au fin fond du système solaire. Le bond est fini depuis 8 heures. Ordinateur, ouvre un canal vers Cap Canaveral. Accès refusé. Autodestruction de la navette dans 30 secondes. Quoi ? Je suis navrée, Florence. Cette fois encore, nous connaissons toutes les deux tes intentions. Nous ne pouvons pas te laisser rentrer chez toi. Capitaine Florence Tereshkova, Alpha Code, SGB ST 1701. Stop ! Entreprise 01, réacteur actif. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, Florence. Non. Tous les héros savent se sacrifier en temps voulu. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais je l'ai dit à tout le monde là-haut que j'avais vu les étoiles. Je l'ai dit à tout le monde. Tu te mens à toi-même et au reste du monde. Cette merde. Nous le savons toutes les deux. Tu n'écoutes que ton idéal. Ils m'ont fait enregistrer ce message car par deux fois, tu as eu la possibilité de faire le bon choix. Et par deux fois, tu nous as ramenés ici, au point de départ. C'est leur décision, Florence. Et je vais la prendre. Ils ont raison. Je ne laisserai pas ton intégrité effacer l'humanité. Ils ont besoin de temps. De temps. Je suis navrée, Florence. J'aurais tellement voulu que tu vois les étoiles. Les vraies. Celles que je ne verrai jamais. À cause de toi. Il existe une différence entre ce que l'on perçoit et ce que l'on sait. Le sacrifice était ici d'accepter son futur et de refuser son passé afin que l'image soit correcte. Mais comme tout le monde, les héros préfèrent souvent se voiler la face.